Et bah c'est parti pour une vidéo FAQ. Comme vous le savez, je fais pas mes vidéos en rouge parce que bah, c'est mes vidéos, ça n'a rien à voir avec l'ensemble des moniteurs. Je représente personne, je représente uniquement moi-même. Et les conseils que je vous donne, bah, ça vient de moi. Donc peut-être que vous aurez des choses à redire. Mais en tout cas, j'essaye simplement de vous aider. Et pour ceux qui ne savent pas, on est aux Deux Alpes et je suis moniteur de ski. Alors ma chaîne YouTube, elle n'est pas uniquement sur le ski. Pour l'instant, c'est l'hiver et c'est ce que je fais. Donc je vous propose un petit peu des conseils. C'est pas une formation, c'est uniquement des petits conseils. Il n'y a pas forcément de progression. C'est les choses que je peux filmer sur le moment. Donc voilà, j'essaye simplement de vous apporter le plus de choses possible. Je ne vais pas faire un cours de 20 minutes par question, mais je vais essayer de donner des réponses précises sur certains points. Et ça vous permettra de votre côté de vous auto-évaluer et d'avoir des nouvelles idées. Ça y est, on attaque. Alors, je vais prendre mon téléphone. Comme ça, je vous dis en même temps les questions. Hello GG, comment aborder le carving une fois qu'on maîtrise le virage en dérapage? Merci pour les tutos. Pour le virage carving, pour commencer, bah, la vidéo d'hier, elle est parfaite. C'est commencer par la fin du virage, on part par une diagonale et si ça va, on part par une ligne droite face à la pente et on va se laisser tomber petit à petit sur l'écart et puis on se laisse guider par le ski. Si vous partez par exemple sur un virage à droite, et ben le plus facile sera de commencer sur l'écart de droite et petit à petit vous laissez pencher. Alors c'est pas vraiment une inclinaison globale sauf si vous avez de la vitesse, mais ça sera plutôt les genoux qui vont s'orienter vers le haut et le regard qui va chercher haut. Je vous rappelle que le virage il est en trois étapes: traversée, déclenchement, donc là c'est la première étape, on s'oriente face à la pente, on laisse ses skis aller tout droit, ça c'est la deuxième étape, et troisième étape, on va chercher à se ralentir, bah, soit avec un dérapage, soit le carving dans ce cas-là. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est travailler uniquement la fin du virage, après la ligne de pente, se laisser remonter. Prochaine question, comment adapter ces virages ou le carving sur piste glacée, notamment en fin de journée, quand il a pas neigé depuis plusieurs jours? Et bah, sur piste glacée, il n'y aura pas vraiment de miracle. C'est ça le ski, c'est adapter sa technique en fonction du terrain. Donc s'il y a beaucoup de pente, eh ben, vous n'allez pas pouvoir faire toute la piste en carving. Et c'est pareil, si elle est gelée, eh ben, il va falloir travailler autre chose. Pourquoi pas travailler la godille, un enchaînement de dérapage en biais, ou travailler, peut-être il y a des bosses sur le côté, il y a peut-être d'autres choses. Mais si la neige elle est gelée, eh ben, justement ça va être l'occasion de travailler le dérapage. Et dans ce cas-là, faire du carving, il faudra avoir des skis de compétition bien préparés, type slalom ou géant. Donc ça ne marchera pas forcément. C'est ça la difficulté, c'est adapter sa technique, ses exercices en fonction du terrain. Hello GG, as-tu des techniques ou astuces à mettre en place pour avoir moins peur de la pente et de la prise de vitesse? J'ai commencé le ski à 35 ans et j'adore, mais ce point me bloque énormément dans ma progression. Donc peur de la pente, peur de la vitesse. Je pense pas à peur de la vitesse que ça soit réellement vrai, parce que bah, comme tous, vous faites de la voiture et on ne se rend pas forcément compte de nos vitesses. Surtout quand on voit sur les pistes de ski, il y en a qui vont à des vitesses considérables et pourtant ils ont quand même peur, mais ils se laissent aller. Le deuxième point, c'est peur de la pente. Et là, c'est vraiment un gros point. C'est le cerveau, finalement, qui n'a pas bien compris comment réagir, tout simplement. Ce que je répète à chaque fois, par exemple, ici, on a une pente. On pourrait dire que ça, c'est, par exemple, une piste bleue. Mais si on est en traversée, nos skis sont à plat. Alors, pas à plat comme ça, ils sont sur l'écart, forcément, pour ne pas déraper. Mais ils sont à l'horizontale. Les deux skis sont à l'horizontale. C'est ça qu'il faut avoir comme repère. Se dire, ok, là, il y a beaucoup de pentes, je vois l'église du village, je vois tout, mais je ne regarde pas là. Le seul moment où je vais regarder dans l'axe, c'est dans la première et deuxième phase du virage, le moment où je vais déclencher et le moment où je vais me retrouver face à la pente. Mais ensuite, on va regarder des deux côtés, sur les traversées.
Donc finalement, même une piste noire peut être plate. Ça dépend de la direction. Dans ce côté, elle va monter. De ce côté, ça va descendre. Et de ce côté, on part sur une traversée. Donc pour avoir moins peur de la pente, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur les grosses bosses à canon ou des ruptures de pente. Et essayer de sentir ce plongeon, en fait. Essayez, comme je vous ai dit, vos skis, ils sont à plat sur la traversée. Et au moment où vous allez dans la pente, le ski, bah forcément, il va pencher. Mais vous, vous devez rester perpendiculaire à vos skis. Comme sur la traversée, c'est facile. Mais dans la pente, acceptez de plonger. Donc, vous pouvez vous entraîner sur des ruptures de pente et sentir ce mouvement-là. J'ai disparu. Prochaine question. Hello GG, merci pour tes tutos. En carving, j'ai tendance à mettre entièrement le poids sur la jambe extérieure, à tel point que le ski intérieur flotte, voire même je fais le virage sur une jambe. Est-ce que c'est une bonne technique? Et deuxième question, sans rapport avec la technique du ski, sais-tu si le Dôme de Loz va ouvrir cet hiver? Aucune idée, parce que moi je reste sur les pistes. Et du coup, j'ai beaucoup de travail et je reste sur le domaine skiable et j'ai pas le temps de faire du hors-piste et tout ça, sauf les bords de piste. Bon, aucune idée. Première question, du coup, il me demande, est-ce que c'est un problème d'avoir tout son poids sur le ski extérieur? Dans l'idée, c'est ce qu'on demande à l'entrée du virage. Mais ensuite, une fois que vous avez franchi la ligne de pente, il va falloir quand même mettre du poids sur les deux jambes. Le fait de garder tout le poids sur la jambe extérieure, ça va pas être bon, parce que si vous rencontrez des bosses ou de la glace, avec la vitesse et la gravité, bah forcément il y aura trop de contraintes sur le ski extérieur. Donc ça va pas être bon. Au déclenchement, c'est super d'être bien sur le ski extérieur. Mais ensuite, une fois que vous êtes dans la ligne de pente, dans la deuxième phase du virage, là vous devez vous stabiliser et garder du poids presque 50-50. Après, ça dépend le type de neige et puis c'est difficile de l'estimer. Mais en tout cas, il faut quand même avoir du poids sur la jambe intérieure. Ce que je te conseille de faire, c'est faire les virages en trois temps. Au déclenchement, tu ressens bien. Dans la ligne de pente, tu vas tout droit. Et après, tu essayes de travailler avec tes deux jambes. Donc ça fera un virage plutôt carré. Rebonjour. Le carving fait augmenter ma vitesse. J'adore ça. C'est très appréciable. Sur une piste bleue, bien large, on peut encombrer par exemple. Comment maîtriser sa vitesse, cette vitesse, avant qu'elle devienne incontrôlable face à de nouveaux obstacles, boss, tout ça. En fait, il prend de plus en plus de vitesse et au bout d'un moment, ben, soit il va déraper et puis ça va plus aller. Merci GG. Et ben, tout simplement que c'est pas possible de rester en carving en permanence. Il va falloir s'adapter au terrain, peut-être agrandir tes virages pour essayer de plus remonter. Après, s'il commence à avoir du monde, eh ben, il faut que ton déclenchement du virage, à ce moment-là, que tu aies moins de vitesse pour ensuite profiter du carving. Mais si tu pars tout de suite avec trop de vitesse, eh ben, ça va saturer à la fin du virage. Donc l'idée dans un virage, c'est je traverse, je ralentis et ensuite je prends de la vitesse pendant la ligne de pente et après je re-ralentis. C'est ça, je pense que tu arrives trop vite. C'est même sûr, tu arrives trop vite pour déclencher ton virage et donc tu as de plus en plus de mal à les boucler. C'est comme ça qu'on teste un peu des bons skieurs. On va partir sur des grandes courbes avec un max de vitesse. Là, ils se font plaisir. Et ensuite, on fait réduire la taille des virages et on part sur une godille et en essayant de ralentir de plus en plus, de plus en plus. C'est souvent ce que je vois sur les pistes. Je leur dis, allez, tu fais la godille, tac, sur la piste noire par exemple. Ils sont confiants au début, ils ont de plus en plus de vitesse. Et puis à la fin, bah, ça sature et les virages, ils deviennent n'importe comment. En fait, il faut bien mettre le ski en travers, par exemple, là, si c'était sur la godille, pour bien déraper et essayer de garder un rythme. Et c'est simplement ça. Donc, je répète, à l'entrée du virage, essayez de faire une petite dérive, un petit dérapage pour ensuite pouvoir accélérer. J'aimerais connaître les différents types de virages, leurs différences, leurs intérêts dans telle ou telle situation. Bah, je pense que je peux faire vraiment simple, grande courbe, petite courbe. Grande courbe, eh bah, ça va être quand là, il y aura peu de pente et que la neige sera bonne. Et là, vous allez pouvoir bah, performer votre carving, essayer d'être bien sur vos appuis. Et puis après, petit virage, il y a deux types.
ça va être soit des virages avec un déplacement latéral, soit sans déplacement latéral, et dans ce cas-là, ça sera un enchaînement de dérapages en biais, tout droit, en biais, tout droit, en biais, tout droit. On va faire plutôt les petits virages quand il y aura de la pente, en dérapage comme ça, ou quand il y aura des bosses, tout ça, et ensuite les grandes courbes quand il y a un peu moins de pente, et justement apprécier faire du carving. Après, si vous avez un grand champ de bosses, vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire les petits virages, mais dans un champ de bosses, si vous faites des petits virages comme ça, vous allez prendre trop de vitesse. Donc l'idéal, c'est de faire montée, descente, en traversée, comme ça, là. Vous faites votre virage, tac, 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 tac. Dans un champ de bosses, par exemple, là, vous pourrez faire des grands virages, mais lentement pour apprendre à absorber les bosses. Comment garder les skis tout le temps parallèles? En fait, c'est pas vraiment un gros problème de faire le chasse-neige. Alors chasse-neige, il faut vite l'oublier, ça va être plutôt du stem. Ça va être uniquement un seul ski qui va s'ouvrir pour s'orienter vers la bonne direction. Parce que si vous avez les skis qui font comme ça pour déclencher le virage, bah celui-là, il sert à rien, il va par là. Donc, un ski qui s'ouvre, le ski extérieur, et je tourne. À ce moment-là, par contre, là, ça sera un problème de garder le chasse-neige. Là, il faut accepter de prendre de la vitesse, les skis droit dans la pente, et ensuite, vous pourrez travailler soit le dérapage, soit la conduite coupée. Avec la vitesse, ça sera beaucoup plus facile de garder les skis parallèles. Et ensuite, une petite technique pour ceux vraiment qui bloquent en chasse-neige, et ben c'est des fois la marche arrière, ça peut vous aider, justement, pour bien sentir le travail sur le pied extérieur. Et j'ai fait un tuto comme ça pour expliquer cette position. Je vous montre, on recule bien le pied, on garde les skis parallèles et on va chercher loin comme ça. Et petit à petit, ça peut apprendre parce que ça déstabilise, mais c'est surtout que ça apprend à bien avoir l'appui sur les languettes. Un petit tuto, vous pouvez regarder, j'ai fait pas mal de vidéos sur la marche arrière et puis il y en aura d'autres. C'est juste un exemple, il y a plein d'options possibles. C'est ça la pédagogie, et en plus c'est en fonction de chacun, du niveau sportif, des appréhensions et puis de quel est votre problème. Comment on carve? Il faut aller vite. Et ben c'est toujours pareil. Oui, il faut un petit peu aller vite parce qu'il faut quand même de l'équilibre, mais je dirais, si je dois dire un chiffre, 20 km/h, ça peut suffire. La vitesse où on trottine, et, ben, ouais, 15-20, et on se laisse remonter sur la fin du virage. Et là, on apprend à carver sans souci comme ça. Si vous allez aller trop vite, ensuite, vous n'arriverez pas à fermer vos virages. Donc, ça aura peu d'intérêt. Sauf si vous faites du serpenté coupé, et par exemple, là, ça sera bah, sur une piste tout droite, facile, un peu type chousse. Et là, vous vous baissez, vous orientez vos genoux d'un côté, vous attendez. Ça fait un virage de 15-20 mètres suivant vos skis. Après, vous revenez à plat, vous laissez de l'autre côté et vous laissez retourner. Et là, vous pouvez le faire avec de la vitesse. Mais en règle générale, le carving, il faut quand même pas trop de vitesse, sinon techniquement, vous n'arriverez pas à suivre et puis le ski va déraper. Et dernière question. Bonjour à tous. Ben là, il pense à tout le monde. Les bases des virages brossés, carvés, point par point, en 6 étapes. Alors, le virage brossé en France, ça n'existe pas. Ça doit être canadien, mais je pense comprendre que c'est le virage dérapé. Et l'autre, c'est le virage carvé, donc le carving, en 6 étapes. En fait, il n'y a pas vraiment 6 étapes parce que la progression, c'est quand même assez personnel et c'est plutôt différents exercices. Donc, je ne comprends pas forcément. Il y a énormément d'exercices à mettre en place. Je ne saurais pas répondre à ta question. On finit comme ça. J'espère que le son était pas mal. Je pense qu'il y a eu un petit peu des rafales. Mais j'ai essayé de sortir. Je pense que c'était plus agréable pour vous d'avoir une belle vue. Et j'ai fait cette vidéo en une fois. Donc, c'était pas travaillé. Mais j'ai essayé de résumer assez simplement. Et comme je l'aurais fait face à des gens qui m'auraient posé la question. Voilà, c'est pas un cours. C'est des petites idées par-ci, par-là. Je vous dis à bientôt. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, pour vous c'est rien, pour moi c'est énorme, et abonnez-vous. Ciao les amis.